la bienvenue à la cérémonie de passation de service entre les secrétaires généraux sortants et entrants au ministère de l'Information et de la Communication. Mesdames et messieurs, tout professeur de service, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui n'est pas une première du genre organisée par notre département ministériel, qui, comme vous le savez, est placé au cœur de l'administration centrale. Conformément à une tradition républicaine bien établie, elle s'inscrit dans le cadre de l'application du décret de Son Excellence Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, portant nomination du secrétaire général du ministère de l'Information et de la Communication. En application de ce décret, Madame la ministre de l'Information et de la Communication, en sa qualité d'autorité politique et administrative du département, a instruit au service de l'inspection générale de procéder à l'organisation de la présente cérémonie de passation qui nous réunit ici cet après-midi. À cet effet, le programme de la cérémonie va se dérouler comme suit. 14h30-15h, accueil et installation des invités. 15h, cérémonie d'ouverture, présentation du programme de la cérémonie. Ensuite, 15h45, nous aurons différentes allocutions. La première allocution sera donnée par Monsieur le secrétaire général sortant, Elhadj Mohamed Condé. La deuxième allocution sera donnée par Monsieur le secrétaire général entrant, Monsieur Souleymane Tianguelba. Suivra ensuite l'allocution de Monsieur l'inspecteur général. L'allocution de Monsieur l'inspecteur général sera suivie par l'allocution de Madame la ministre de l'Information et de la Communication. Ensuite, les invités resteront sur place. On aura une photo de famille. Après la photo de famille, nous allons nous diriger dans le bureau du secrétaire général entrant pour son installation. Ça sera la fin de la cérémonie. La modération est assurée par l'inspecteur général adjoint que je suis, Ismaël Fanta Traoré. Donc, avec votre permission, Madame la ministre, nous allons démarrer la présente cérémonie. Donc, Monsieur le secrétaire général sortant, Elhadj Mohamed Condé, votre allocution, s'il vous plaît. Madame la ministre de l'Information et de la Communication, Monsieur le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Monsieur Souleymane Ba, secrétaire général en temps, chers collègues ici présents, c'est avec une vive émotion que je m'adresse à vous en cette journée mémorable de mon départ. Je commence par louer le bon Dieu qui m'a donné la force et la santé de servir mon pays dans ce département pendant des décennies. C'est le lieu pour moi aussi de remercier tous ces collaborateurs que vous êtes, qui m'ont entouré de respect et d'estime. Mon cher frère Souleymane Ba, le département dont vous avez la charge de gérer aux côtés de Madame la ministre souffre d'une perception erronée de sa mission, qui empêche un ministère uniquement politique, alors que vous aviez affaire à un ministère éminemment technique.
cette perception a impacté dans le passé sur ses ressources qui ne lui ont pas permis de s'adapter aux exigences de l'environnement numérique actuel. Elle a surtout contribué à la caricaturisation de notre presse nationale en presse publique pour le gouvernement et en presse privée pour l'opposition. L'intégration des dimensions de cet environnement est aujourd'hui nécessaire pour qualifier notre presse et en faire un outil de cohésion sociale et de construction d'une transition apaisée, conformément au programme du CNRD. Vous voyez que ce ministère est appelé à jouer un rôle de premier plan dans la refondation de notre État. Je voudrais, pour finir, présenter mes excuses à tous ceux que j'ai offensés ici et tous ceux que j'ai blessés sans le vouloir. Madame le ministre, je réitère, pour finir, ma disponibilité à servir le département à tout moment et en tout lieu. À tous les jeunes d'ici qui sont ou mes fils ou mes petits-fils, je vous donne un conseil loyal, fondamental, qui m'a servi de boussole. Soyez loyaux à l'égard de ceux qui vous gouvernent et aimez votre pays. Je vous remercie. Merci à Monsieur le secrétaire général sortant et l'âge Mohamed Kondé pour cette brève et belle intervention. À présent, nous allons passer à l'allocution de Monsieur le secrétaire général entrant, Monsieur Suleiman Tiangelba. Bien, c'est un peu compliqué de prendre la parole après ce que vous venez de dire. Et c'est un des moments où le bavard que je suis devient tout à fait muet. Presque. Madame la ministre, Rose Paula Prisma, mon cher ami, Alpha Bacar Barry, ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Monsieur le secrétaire général, et là, nous mettons Condé. Je voudrais d'abord, dans un premier temps, remercier le président de la transition, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, pour la confiance qu'il a décidé de m'accorder dans cette période aussi cruciale de l'histoire de notre pays. Je mesure l'immensité de la tâche qui m'est confiée. J'honorerai en toute humilité, en toute modestie, cette confiance que le président a voulu placer en moi. Je voudrais aussi vous remercier, Madame la ministre, parce que d'abord, si je suis ici, je suis ici aussi parce que vous avez voulu que je sois ici en tant que chef de ce département. Vous transmettrez par la même occasion mes sincères remerciements à Monsieur le Premier ministre, Monsieur Mohamed Berbi. Je voudrais à ce moment précis, pensez à feu mon père, qui aujourd'hui ne vit pas, que j'ai perdu pendant cette période que tout le monde connaît, cet exil que j'ai vécu pendant ces 5 dernières années. Donc, ma première pensée va vers lui. Je voudrais remercier ma famille, mes deux mamans, parce que j'ai cette espèce d'honneur d'avoir deux mamans dans ma vie, dont l'une est derrière moi. Je remercie mes frères et mes sœurs qui sont ici et qui m'ont toujours entouré de leur amour. Et je remercie quelqu'un qui est très loin d'ici aujourd'hui, qui est mon épouse, qui a été à mes côtés pendant ces 14 dernières années et surtout pendant les 5 dernières années d'exil que nous avons connues. Merci aussi à tous ceux qui sont là, amis de tous bords, mes confrères artistes, mes confrères journalistes. Cette nomination est aussi la vôtre, parce que je suis ce que je suis
parce que vous êtes ce que vous êtes. Depuis un peu plus de 20 ans, la confiance que nous avons toujours eue réciproquement, merci à chacun d'entre vous de vos confiances respectives. Je sais compter sur votre soutien et vos rappels à l'ordre chaque fois que je serai tenté de faillir à mon devoir de servir la vision du président de la transition au profit de la République de Guinée sous l'impulsion ici, dans ce ministère, de Madame la ministre Paula Prismon. Alors, qu'est-ce que je compte faire? Parce que c'est la question que les uns et les autres peuvent se poser. En fait, rien de plus que le contenu de la feuille de route qui vous a été confiée, Madame la ministre. Je suis là pour apporter ma modeste contribution à l'atteinte de cet objectif. C'est ma seule vocation à cette place. M'employer à faire rayonner ce département sous votre impulsion, Madame la ministre. Les défis, je sais, ils sont nombreux, mais je n'ai pas de doute que les compétences qui sont les vôtres, votre personnalité et votre sens du devoir patriotique feront en sorte que le président de la transition soit fier du choix qu'il a porté sur vous. C'est le lieu d'affirmer mon attachement à servir avec l'ensemble de mes collègues ici présents. Je demande à chacun, humblement, de m'ouvrir les portes de ce département et de demander de m'y accueillir. J'arrive dans une maison que je ne connais pas. C'est aussi votre sens de l'hospitalité, de générosité, de solidarité et d'efficacité surtout qui nous serviront ensemble notre pays et serviront nos concitoyens. Je voudrais terminer par une petite anecdote. La nuit dernière, pendant que tout le monde était en train de fêter ce moment, je disais à une de mes sœurs que c'est là que je prends conscience de l'immensité de la tâche qui m'attend. Parce que les gens ont confiance en moi et ces gens-là, il ne faut pas les décevoir. À commencer par vous, Madame la Ministre, et à commencer de l'homme qui est à ma gauche. Donc aujourd'hui, je ferai en sorte que cette peur-là soit motrice du succès que nous allons avoir ensemble ici, dans l'humilité pour que notre victoire soit assurée et que l'aide soit la clé de toute la belle aventure que nous allons avoir ici. Je remercie encore une fois Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Madame la Ministre pour votre confiance et soyez assurés que je la saurai la mériter. Il est temps où je crois que je me taise maintenant. Merci à Monsieur le Secrétaire Général entrant pour cette brillante allocution. À présent, nous allons suivre l'allocution de Monsieur l'Inspecteur Général, Nestor Nétès Ouroubi. Madame la ministre de l'Information et de la Communication, assurant la présidence de cette cérémonie, Monsieur le ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Monsieur le secrétaire général sortant du ministère de l'Information et de la Communication, Monsieur le secrétaire général entrant, Madame la chef de cabinet, chers collègues directeurs généraux et nationaux du ministère de l'Information et de la Communication, messieurs les directeurs de publication ici présents, mesdames et messieurs, chers confrères, désormais, il est un secret pour personne que la dynamique de la refondation de l'État prend progressivement forme dans le secteur de l'information et de la communication depuis la nomination de Madame la ministre de l'Information et de la Communication. Cette haute nouvelle disposition prise par le président de la transition, président de la République, marque pour notre secteur un véritable paradigme dans le changement des mentalités et des comportements prônés.
Monsieur le secrétaire général sortant, l'ensemble des travailleurs du ministère de l'Information et de la Communication reconnaissent en vous un monument en sciences de la communication et de l'information. Un journaliste écrivain, auteur de plusieurs ouvrages avec la maison d'édition Harmattan Guinée. Votre bonne connaissance de l'histoire, de la sociologie et de la culture des sociétés guinéennes a été pour vous une boussole dans vos démarches professionnelles et intellectuelles dans notre pays. Monsieur le secrétaire général sortant, il n'est pas aisé de parler du travail considérable que vous avez accompli dans l'histoire de l'évolution de notre ministère depuis 1970. Nous témoignons ici et maintenant que l'ensemble des travailleurs ont toujours accordé de l'importance et de la valeur à tous les moments qu'ils ont eu à passer avec vous. Votre vision nous a inspiré à avoir une plus grande vision. Votre centre d'attention nous a permis de connaître le secret de la concentration à l'œuvre pour faire des résultats concrets et durables. Votre intuition dans la gestion de l'administration nous a permis d'avoir de la sagesse dans les relations avec les cadres. Et votre manière de gérer vos difficultés nous a aussi permis de voir ce que vous avez pu réaliser en dépit des faiblesses rencontrées. Monsieur le secrétaire général entrant, aujourd'hui, plus que jamais, la Guinée vit une nouvelle ère de la démocratie représentative qui prend son origine dans la puissance nouvelle de son système médiatique national. Un nouvel art de gouverner, de juger, de gérer, d'exister, d'informer, s'est désormais forgé dans notre pays, qui dispose de plusieurs supports de production, de traitement et de diffusion d'informations. Un ensemble de moyens modernes et performants qui constitue aujourd'hui une véritable unité d'action dans le secteur, véritable caractéristique de la nouvelle gouvernance médiatique. Toutefois, il faut souligner que les défis sont nombreux, mais ne sont pas insurmontables. Pour un secteur stratégique aux activités transversales avec un budget inversement proportionnel à ses attentes. Monsieur le secrétaire général entrant, permettez-moi de vous dire que vous avez un rôle stratégique à jouer pour l'atteinte des objectifs de la gouvernance sectorielle. Ce rôle s'inscrit, entre autres, dans la coordination de l'élaboration de la politique sectorielle, du plan stratégique pluriannuel et du plan de travail annuel du ministère, et d'assurer, sur le plan technique, la coordination et la cohérence des activités conduites au sein du ministère avec les actions des autres départements. L'expertise reconnue de vous et la dynamique du travail en équipe aidant, nous sommes sûrs et certains que vous ferez des résultats concrets et durables. Nous vous souhaitons plein succès dans vos nouvelles fonctions. Merci de votre attention. Merci à monsieur l'inspecteur général pour son allocution. À présent, nous allons suivre l'allocution de madame la ministre de l'Information et de la Communication, madame Rose Polakissima. Enseignement technique et de la formation professionnelle. Monsieur le secrétaire général Mohamed Kondé, monsieur le secrétaire général Souleymane Tchangelba, chers membres du cabinet, chers parents, amis et invités.
je vous souhaite la bienvenue. Je ne serai pas longue dans mon allocution, si on peut l'appeler ainsi. C'est pour moi un réel plaisir de prendre part à cette grande célébration, qui est pour moi vraiment une célébration parce que nous participons aujourd'hui à un moment historique de notre pays, à l'installation de notre nouveau secrétaire général. Et je souhaitais par cette occasion souligner un aspect très important pour moi, celui de la reconnaissance, celui de la gratitude envers M. Mohamed Kondé pour toutes ces années passées à servir la nation, à servir ce département avec courage, avec abnégation. Il nous l'a dit tout à l'heure, il a passé 11 différents ministres. Voilà. Avec 11 différents ministres, je pense qu'il a eu le temps de voir différentes façons de faire et de tenir par amour pour la nation et par amour pour le travail qu'il faisait dans ce secteur. Je voulais pas ainsi vous dire merci pour les loyaux services. Et comme je l'ai dit, je pense que nous aurons encore besoin de vos services, de vos conseils. Et merci de vous mettre à ce service-là et de nous tendre la main dans ce sens. À monsieur le nouveau secrétaire général entrant, je voulais féliciter. Je pense que le choix est tombé sur vous, pas par hasard, c'est de par vos compétences, de par la reconnaissance de tout ce beau monde et du monde qui reconnaissent en vous la technicité, qui reconnaissent en vous le courage d'apporter de nouvelles idées, du monde qui reconnaissent en vous quelqu'un qui a la volonté d'apporter du changement. Donc vous avez tous mes encouragements, je me tiendrai à vos côtés et je vous souhaite une très bonne mission au sein de ce département. À tous encore, je réitère ma vision qui est celle de voir une Guinée unie, une Guinée prospère, au sein de laquelle les filles et fils se donnent la main pour avancer ensemble. Et c'est mon exhortation depuis le début, depuis le 27 octobre. On a un nouveau membre qui vient dans le département, peut-être que d'autres arriveront, mais l'essentiel est de retenir que nous devons nous battre ensemble pour un meilleur devenir de ce département. On a un département stratégique, un département qui joue un rôle crucial dans cette période de transition, et il est de notre devoir et de notre responsabilité de porter haut et fort cette responsabilité et de mettre à profit nos différentes compétences. Donc je souhaitais encore réitérer que pendant ce mandat, nous aurons d'autres visions que d'avoir l'esprit d'équipe dans le travail, l'esprit d'équipe, la solidarité. Donc là-dessus, je ne vais pas m'étaler, je ne vais pas être plus long que ça. C'est de souhaiter la bienvenue à M. Souleymane Tiangelba, de souhaiter bon succès au sein de ce département et de réitérer encore ma gratitude à M. Mohamed Kondé. À tous du département, je vous invite à faciliter cette phase à nous tous, qui est de renouveler, refonder les éléments essentiels de ce secteur important qui a longtemps été laissé un peu pour compte, si on peut le dire, et qu'ensemble nous puissions travailler dans la paix et l'entente. Je vous remercie. Merci à Madame la Ministre pour son intervention. À présent, le service communication. Voilà, nous allons prendre la photo de famille sur place, vu que la salle est restreinte. Et après, nous allons nous diriger dans le bureau du secrétaire général pour son installation. C'est pas maintenant, bon, c'est tenu debout. Voilà. Quand
j'attends que les caméramans aient leur appareil. Non. Ah, en direct. Ah, mon téléphone est là. Directeur.